Alors, il semblerait que l'aide sur le plan de l'argent même a circulé en Afrique vers le Niger, le Mali, la Mauritanie via une sorte de marché noir. Est-ce que ça s'est avéré ou est-ce que ce sont des soupçons? Oui, le rapport encore de l'OLAF le signale. On retrouve sur certains marchés, par exemple de Mauritanie, de l'aide humanitaire encore estampillée avec les belles étoiles qu'on voit derrière nous. Et donc, manifestement, évidemment, ceux qui sont à l'origine de ces détournements n'ont même pas trouvé utile d'effacer les traces C'est incroyable. de l'Union européenne. Et il en est de même pour le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM. Alors, vous parliez de 200 millions hein, sur un certain nombre d'années, évidemment. Et il semblerait aussi que l'Algérie a volontairement surestimé le nombre de réfugiés ou de séquestrés dans ces camps de Tindouf pour toucher plus d'aide. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il ne serait pas vraiment urgent de pouvoir faire un recensement de la population dans ces camps à Tindouf? Oui, vous mettez le doigt sur ce que je considère comme être le point central de ce dossier. L'OLAF indique noir sur blanc dans son rapport que la principale cause des détournements provient du manque de recensement officiel du nombre de bénéficiaires de l'aide. Comprenez-moi bien, il s'agit aucunement de refuser d'aider ces camps. Au contraire, ils en ont plus que besoin. Mais si vous surestimez le nombre, vous ouvrez des tentations de plus en plus grandes pour les intermédiaires, pour les fraudeurs, il faut le dire comme ça, de se dire, ah bah, ni vu ni connu, puisque de toute manière, il y a trop d'argent diffusé, on va se Servir au passage. l'accaparer et se servir au passage. Et donc, ce recensement, ce n'est pas une lubie uniquement de l'OLAF, de la N'est pas un Commission européenne. caprice. Ce n'est pas un caprice de l'OLAF. C'est même une revendication, une interpellation qui a été exposée au niveau international. Et je pense notamment à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2015 qui invitait les parties concernées à procéder à ce recensement.